J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans ma salle à manger parce qu'il y avait un peu plus de lumière que dans ma chambre. Et oui, évidemment, nous allons rentrer dans la période de fin d'année, donc la mauvaise luminosité. Je vais faire une nouvelle page de scrap. Ça fait très longtemps que j'en ai pas posté sur la chaîne, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc nous allons attaquer cette page-là. J'espère que vous la verrez bien. Je me mettrai assez régulièrement de cette façon pour que vous puissiez voir. Cette page va concerner mon copain et moi, donc évidemment, une belle petite page comme ceci. J'ai pris cette petite chute, je pense qu'elle va me servir. Tous les fonds utilisés sont dans des grands blocs de feuilles de chez Action. Donc j'ai pris également cette feuille-ci, cette chute-là et cette chute-là. Je pense que je peux faire un bon petit mélange. Donc je vais faire mes découpes, etc. pour faire le fond de ma page. Et je vous retrouve juste après.
Voilà, du coup, ma page est terminée. Elle est tout en simplicité, mais je la trouve vraiment jolie. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, j'aime beaucoup. Je tenais à préciser que toutes les décos viennent de chez Action, sauf ça, ça venait de chez Noz. J'aime beaucoup ce genre de petits détails. Du coup, ouais, c'est des photos qui datent d'il y a longtemps, parce que maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis avec mon copain. Donc, c'est vrai que cette photo, lors de nos 1 an, voilà, c'est un petit souvenir. Et puis, ça, pareil, ça date de 2017, donc c'est assez vieux. Mais j'aime beaucoup. Pour celles et ceux qui font du scrap, si vous pouviez me donner d'autres conseils, parce que je pense que niveau des pages, ça va, mais au niveau de déco, je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être un petit peu trop simple. Bon, après, je suis satisfaite quand même, mais je ne demande qu'à m'améliorer. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, partager et commenter, surtout ça me fait trop plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, voilà, plein de bisous!